Voici, à 18 000 km de l'Europe, au cœur de l'océan Pacifique, les atolls de Mururoa et de Hao, où se déroulent les expériences atomiques françaises. Le succès de ces expériences a failli être compromis par une secte de fanatiques polynésiens. Le complot a échoué grâce au sacrifice de Lantier, grièvement blessé. Aujourd'hui, Tanguy et la Verdure profitent d'une permission pour ramener l'hydravion de Lantier à Tahiti. Cette mission est délicate, car la radio du bord est hors d'usage et l'océan Pacifique immense. Ça, je te l'avais dit, hein. Ça, je te l'avais dit. Et puis, il y a l'autre qui va pas tarder à nous lâcher aussi. Hein? Laisse-moi. Allez, essaie de repérer un point de chute parce qu'il va falloir se poser, pépère. Si seulement je savais où on se trouve, alors ça irait tout seul. Attends. Attends. Là, il y a... Attends, voir, c'est le... Bon, allez, dépêche! Ah, tu me tires! Il y a l'autre qui commence à chauffer. Hein. Attends. Normalement, on devrait trouver Motua sur la gauche, là. Motua, je connais pas. Forcément, on est dans dehors des routes habituelles. Hein? Michel. Michel, ça chauffe, là. Oh, moi, je... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il y a une île sur la droite, ça va. Ah oui, c'est vrai. Ah non, attends. Ça peut pas être Motua, parce que... Motua, normalement, c'est sur la gauche. Là, c'est... Bon, Motua ou pas, maintenant, il faut qu'on se pose. On n'a pas à attendre que l'autre nous lâche, non? Bon, d'accord. Bon, ben, on va aller sur le lagon, là, hein? Ouais, on va essayer de faire un passage bas. On regarde s'il n'y a pas trop de pâté de corail, hein? D'accord. Ça a l'air d'aller. Le vent? D'après les cocotiers, il doit y avoir un peu de houle. Bon, on va essayer de se poser. Et cramponne-toi, maman. Hein? Très vieux, moi. Oh là là. Je pense que j'ai failli pas revoir ma sœur. Ta sœur ou Denise? Allez, là. Là, maintenant, reste à savoir où on est. Oui. Dis donc, c'est peut-être Motua. Fous de ma gueule, non? Là? Hé, cocher. Attention, la rame. On prend les accessoires. Hop. Fais gaffe au coraux là. Hop. La tout. Ça se bouscule pas ici. Attends. Voyons le manuel. Voyons voir. Aucun habitant. Pas de passage. Ah si. Une goélette qui vient une fois par an ramasser le copra là. Ouais. Une fois que l'alerte sera donnée, je me demande comment on fera pour nous trouver ici.
Toi qui voulais passer les vacances, bah t'es servi. Sinon, je proposerai une petite chose. Si on cassait la croûte. Ah, bonne idée. Tiens, maître d'hôtel, s'il vous plaît. Monsieur Désir. Si vous avez à me proposer. Caviar, baron d'agneau. Je me permettrai de suggérer à monsieur un saumon grillé. Saumon. Oh, parfait. Un saumon pour le neuf. Dis donc, je commence à installer les appartements. Hein. Michel, c'est formidable, ça grouille. Et la caisse baissée. Viens voir. Casse baissée, hein? Laisse-moi faire, va! Oh, le pomerou! Ouh, aïe, ouh! Bon, bah écoute, je crois qu'il est préférable que je te laisse la grillade, moi je vais m'occuper du dessin. Oh, tu m'as fait mal! Tu sais que les Tahitiens prétendent que les noix de coco ne tombent que sur la tête des méchants. Ici, il faut faire son marché avec un casque. Vraiment délicieux. Le tien doit être moins bon que le mien, j'ai l'impression. Non ? Celui-là, mon vieux. Fameux. Dis donc. Quand on a fini de brouter, on pourrait aller jusqu'à l'avion pour essayer de réparer le moteur, non? Je regrette mon petit bonhomme, mais après la sieste. Ah, t'es fatigué? Un petit peu. C'est le cocotier. Ouais, voilà. En route, Marquise. Laisse-moi là. Oh, enfoiré. Tâche pas, hein. Tu me lâches la tête. Coupe-la. Il parle, il n'a pas besoin de se fatiguer. Le moteur aiguille, il y a une panne d'huile. Ah, on est frais. Quand on aura décrassé les bougies là, de celui-là, il finira par tourner rond. Hein? Ouais, mais pendant combien de temps? Je pense bien que je ne vais pas me trimballer avec un seul moteur au-dessus de la flotte, non? T'es dingue? Le lagon est trop petit pour décoller avec un seul moteur. Oui, Ernest? Hein? Regarde! Quoi? Hein? Oh merde, y'a plus rien. Je t'assure, j'ai vu briller quelque chose là, par là. Ah, t'as vu briller quoi? Ben, je sais pas si ça faisait comme un reflet. Comme si le soleil, tu vois, tapait sur un morceau de verre ou un morceau de métal. Oh! T'as tes sons de bouteille! T'es sons de bouteille dans une île déserte, tu vas bien, toi. Ah oh, bah. Tu t'es gouré, puis c'est tout! Je suis pas miro, non? Bon, on va y aller demain matin. Hein? Quoi? Là-bas? Non mais t'as vu un peu? C'est la forêt vierge! Moi j'ai pas là la forêt vierge, hein, de quoi sur moi, hein? C'est drôle, pour se faire repérer, il faut bien allumer un feu là-haut. Alors il faut y aller. Ernest. Réveille-toi, bon Dieu. Mon amour. Il y a quelqu'un qui marche autour de la tente. Oh mon amour. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, mes chers. Ferme ta gueule! Ah, t'es cool! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est toi? Oh, c'est malin. Ta gueule, je te dis, écoute! Ah, oh, tu casses tes pieds, toi. Écoutez quoi? Le bruit du vent dans les cocotiers. C'est complètement dingue, toi. À midi, c'était les reflets. Ce soir, c'est les bruits. Arrête-toi, vite! Non, il n'est pas tombé loin. Drôle de coïncidence. Juste ce cocotier parmi les milliers.
l'idée a tombé que ça ne m'étonnerait pas. Regarde le travail. Alors tu crois qu'on aurait voulu se débarrasser de nous? Je comprends bien. Cette île n'est pas déserte alors. Hein? Michel, le canot! Il avait complètement sorti de la flotte? Ah oui! Ouais, bon, ben, j'ai compris, il y a des gus sur l'île. Si on les dérange. Tu crois? J'ai bien envie d'aller faire un tour à l'intérieur. Bon, allez, viens. On plie bagage et on part de l'eau. Top pour le poids. Tiens, ça moustique. Vache, ils attaquent en patrouille serrée. Hein. Tiens, je viens de tuer le chef d'escadrille. Il est beau celui-là. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que t'espères trouver? La famille Cro-Magnon? Viens, Ernest! Oh! Viens voir! Attends, j'arrive! Qu'est-ce que c'est? T'as trouvé quelque chose, cette habité? Exactement. C'est un marin allemand. Oui. Hans Schwarz. Attends. Schwarz. U-Boot. U-Boot, ça veut pas dire sous-marin en allemand. Oui. Le gus qui est là devait faire partie d'un équipage. Attends. 15 juillet 1945. 45. Non, c'est curieux, je comprends pas. En juillet 45, la guerre est finie pour les Allemands. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ouais, mais pas pour les Japonais. Attends. Je crois qu'il y a des sous-marins qui ont tenté de regagner le Japon pour continuer la guerre. Il y en a un qui a dû relâcher ici. Tout s'explique. Le sentier, le tesson de bouteille. Ouais, mais le cocotier et le canot pneumatique. C'est pas lui qui l'a fauché, quand même. Oui, ça c'est curieux. C'est plutôt curieux. Regarde, Ernest, regarde, le scintille. Hein, quoi? Explique-toi, quoi, qu'est-ce que t'as vu? Le scintillement comme hier. Hein? Ben, je vois rien, là où? Et là, tu t'es miro ou quoi? Où? Là, juste là. Regarde, t'as la vallée là. Ben hein? Là, oui. Bon, suis-moi là. Oui, je te suis. Oui, là. Là, oui. Là, à mi-pente. Tu l'as? Ah, ça y est, j'ai vu. Avec le soleil, il scintille sur une botte de concert. C'est peut-être des jumelles. Il n'y a plus rien maintenant. Dans le soleil, il n'y a pas changé de place. Tu crois qu'il y a des gus qui nous observent de là-haut? On va y aller voir. Bien. On y va. Zer, quelqu'un est passé par ici il n'y a pas longtemps. Bon, toi tu passes par ici, moi je vais monter là-haut. On se retrouve. D'accord. Ok? Thank you.
Tire pas, hein, c'est moi. Qui c'est qui peut habiter cette baraque? Un naufragé? Non, c'est plutôt un terrassier, ton naufragé. Alors, un fossoyeur? T'as déjà vu un terrassier disposer d'un émetteur radio, toi? Fonctionne? Il n'y a plus de jeu. Les batteries sont à plein, mais enfin, il a l'air en bon état. Je suis au courant. Il y en a sur l'hydravion. On l'emporte, on lance en SOS. Elle ou la belle vie? Toutes les allumées. Ah oui. Taboulet, 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 ta. Les allumées, tu les as pas encore dans les bras, va. Allez, t'en fais pas. Allez, on l'emporte. Tu crois que le Gus, il va te laisser te balader avec son émetteur radio? Pour ça, je m'en fiche. Écoute, Ernest. Depuis qu'on a mis les pieds sur cette île, on représente une menace pour ce type. Une menace si grave qu'il a tenté de nous tuer cette nuit. Hein? Il avait peur qu'on trouve sur terre. Tu comprends? Oui. Alors, pour ça. Michel, il y a peut-être un cadavre sur le plancher? Hein? Plancher. Attends, tire doucement. Attention les doigts. Baba. Ah, ça y est, j'ai compris. Le sous-marin allemand qui a relâché ici, il va avoir pour mission d'évacuer l'or jusqu'au Japon, après la capitulation de l'Allemagne. Et le capitaine a dû estimer que le magot serait plus en sécurité sur une île déserte, tu comprends? Alors, et le gars qui veut notre peau? Il doit être un rigolo qui devait être au courant. On a dû le déranger un petit peu en arrivant ici. C'est curieux, hein? Avoir ça dans les mains et pas pouvoir se payer un demi. Ton demi, c'est pas le moment. Parce que maintenant, c'est lui ou nous. Comme on connaît son secret, je vais me dire qu'il va pas nous laisser partir vivant d'ici. La veste. Tu vois? Derrière le bananier. Scintillement, c'était bien ses jumelles. J'y vais. Passe par là, essaie de le prendre en revers. Emmène de quoi le ligoter. Fais gaffe! Michel, qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Oh! Où tu es? Oh! Réponds! J'ai un pied à boucher!
Tire-toi! Il est planqué là, il va descendre! Fous le camp! Michel! Oh! Dites-moi, nom de Dieu! Où tu es? Mais tire-toi, je te dis! Prends la radio! Va à l'hydravion! Et lance un SOS! Vite! Avant la nuit! Michel! Je suis pas loin de toi, j'arrive! Mais fous le camp, je te dis! Vite! Mais fous le camp, je te dis! Il est planqué tout près! Mais non, il n'y a personne! Tiens, j'ai tout ce qu'il faut, rattrape! Tu m'as compris, tu fermes ta gueule et tu grimpes! Allez! 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 Ernest, plonge! Je suis pas sauvage, moi. On parle d'âge. L'or. Moitié, moitié. L'or, gold. Ah! Bon, alors je récapitule. Primo Jean Terlogus. Secondo, jet de notre grand invalide pour gagner l'avion. Et tertio, j'embarque la radio. Hmm? Tu crois qu'on n'aurait pas droit à un petit dédommagement avec ça, hein? Moi, je trouve que ça t'irait très bien. Tu vois? On t'appellera Jean Bonhomme. Jean Bonhomme. Bon, tu vois, c'est pas pour moi, ça. Je pense à l'entier. Moi, je trouve que la Banque fédérale lui doit bien ça. Très bien de te mettre au boulot. T'as une bonne nuit devant toi. Tu parles. Je me rappellerai de cette permission. Tanguy, la verdure, vous savez que vous êtes des héros, mais vous revenez seul? Et après, c'est trop votre hydravion, alors? Ah ben, il est sur place, il y a une équipe qui est en train de le réparer. Je pense qu'il sera là dans 2 ou 3 jours. Après les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, la Banque fédérale allemande vous alloue une prime. Qu'allez-vous en faire? Je sais pas, on va la donner à notre ami Lantier, ça lui permettra de réparer un peu son zinc, parce que... Si vous nous parliez un peu de la vie de Robinson, monsieur... La vie de Robinson, ben, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Moi, vous voulez que je m'explique? Ça manque de femmes. Oui, ça manque de femmes. Ah. Dites-moi, la verdure, est-ce que vous avez des projets maintenant? Des projets? Ben, je vais me rattraper. Dis donc, mon pépère, des projets, tu sais, à ta place, j'en ferai pas trop, parce qu'on rentre ce soir à Istres. Hein. Oh, c'est vrai, c'est pas vrai. Consolez-moi. 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 Le ciel nous fait rêver et l'on oublie dans les sur la terre, on a trouvé une amitié profonde, les copains, une fois sur deux, pour une fille, se bagarrent entre eux. Mais très vite, ils n'y pensent plus. Chacun poursuit sa ronde, le ciel nous fait rêver et l'on oublie dans les